avec le président du GINAP pour qu'il nous dise un peu pourquoi l'ABF a pris cette résolution-là pour interdire l'interopérabilité entre les zones UEMOA et CEMAP. Merci, monsieur le directeur de Business Africa. Je vous remercie aussi pour m'avoir convié à ce petit échange pour enrichir le débat. Je commencerai par préciser que le GIMAC est un groupement d'intérêt économique. C'est l'abréviation du groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale. Et à cet effet, je suis directeur général du GIMAC et non président du GIMAC. Parce que le président du GIMAC, c'est le gouverneur de la banque centrale. On risque de m'accuser de vouloir prendre un titre. C'est bien directeur général du GIMAC. Voilà. Voilà, justement, je ne sais pas si c'est une interdiction, parce que le mot interdiction sonne fort pour aller directement à la réponse à la question. C'était une décision du gouverneur demandant à ce que, en attendant un certain nombre de dispositions qui sont liées à la politique de change et à la fuite des capitaux, à la lutte contre le terrorisme, au blanchiment et bien d'autres choses, à la compensation derrière, que les opérateurs mobiles n'entreprennent pas de manière aventureuse des transferts vis-à-vis, ce n'était pas seulement vis-à-vis de l'Afrique de l'Ouest, mais en dehors de la CEMAC. En dehors de la CEMAC. Bon, mais maintenant, parlant de l'Afrique de l'Ouest, non, on n'a pas de grands interdits avec nos frères de l'Afrique de l'Ouest avec lesquels nous partageons le CEPA comme monnaie commune. Mais on a des problèmes qu'il faut régler derrière, qui s'appliquent même aussi à tout ce qui est monétique. Je prends un peu l'exemple de la carte bancaire. Nous avons créé la carte GIMAC que vous connaissez très bien, que nous émettons, qui est utilisée dans une dizaine de banques du Cameroun et dans une quarantaine de banques dans la sous-région Afrique centrale. Et maintenant, nous sommes en train d'aller vers l'interopérabilité des mobiles et des transferts d'argent. Donc, évidemment, ce qui va fluidifier un certain nombre de choses déjà au niveau de la CEMAC et qui aurait des répercussions aussi au-delà de la CEMAC avec nos amis de l'UEMOA, avec la carte du GIMUEMOA et des instruments de paiement électronique de l'UEMOA. Mais derrière, il y a des contraintes de compensation. Les deux banques centrales ont un accord cadre de travailler ensemble et d'ailleurs un projet est en mise en œuvre, en cours de mise en œuvre là. C'est le projet d'interconnexion des deux zones au niveau des paiements. Et à cet effet, pour parachever ce volet des paiements, il va falloir que Star UEMOA, qui est le système de télécompensation en Afrique de l'Ouest, et le SISTAC, qui est le système de télécompensation en Afrique centrale, des outils de la Banque centrale, se mettre en collaboration, donc en interconnexion, et après on pourra donc ajouter, quand on a déjà assuré ce volet de compensation, qui assurera la traçabilité, les plafonds et tout ce qu'il y a derrière avec la monnaie, et la fuite des capitaux, et tout ce que j'ai cité auparavant. Quand c'est déjà fait, on va ajouter les couches telles que la carte GIMAC utilisable en Afrique de l'Ouest dans la zone UEMOA et vice-versa, la carte UEMOA et évidemment l'interopérabilité des mobiles aussi qui va faire qu'on pourra, avec les mobiles de là-bas, peut-être ouvrir aussi ce volet-là après l'avoir fait dans la CEMAC et pourquoi pas les transferts inter-zone CEPA. Donc c'était plutôt une mesure prudentielle. Donc je dis, peut-être comme le gouverneur a un pouvoir de coercition, on peut dire une interdiction, mais c'était une décision prudentielle. Non, n'allez pas dans des ordres, il faudrait aller avec un peu un certain nombre de choses assises. Il suffit énormément le règlement de 2011 qui régissait la monnaie électronique. Donc toute l'architecture complexe
Et nous, qui voulait qu'un opérateur technique, parce que c'est pour cela qu'il a raison de dire qu'il n'a jamais fait de mission monétaire, non, c'est réservé aux banques, devait s'adosser à la banque pour faire la monnaie électronique, ça a évolué. Mais dans la nouvelle réglementation, et je voulais la mettre à disposition de ce qui en anglais, elle sera signée, elle est en cours de signature, prévoit trois types d'entreprises dans l'intermédiation financière et le paiement. La banque, la microfinance, est très simplement ce qu'on va appeler la société de paiement. Donc désormais, même les opérateurs en tant qu'entité technique ne vont plus être des émetteurs de monnaie ou de faisant le mobile monnaie. Ils devront créer des sociétés qui font le paiement. Et ça a tellement simplifié la chose. C'est pour ça qu'il a raison de dire que cette affaire est derrière nous. On n'est plus dans l'ancienne architecture. C'est un boulevard, mais on a seulement demandé des garanties parce que si on ne mettait pas la barre assez haute sur les garanties financières et les consorts, tout le monde pouvait venir et ça allait être vulgaire. Donc on a mis des garanties, et des limitations, et des contraintes assez fortes pour que on puisse filtrer, ne pas laisser les brebis galeuses venir dans l'activité avec les complexités en termes de blanchiment et de risques que nous avions invoqués, de fuite des capitaux, etc. Et ce règlement COBAP indique également que les opérateurs, l'ensemble des opérateurs qui émettent la banque, qui gèrent la monnaie électronique en zone CEMA, doivent mettre en place des biens d'opérabilité à la date du 1er décembre 2018. Aujourd'hui, est-ce que c'est... Non, c'est pas le même règlement. C'est pas le règlement qui le dit. Non, le règlement dit, j'ai pas la date dans la tête, que tout intermédiateur financier de la sous-région, que ce soit banque, etc., devrait s'aligner avant une certaine date et se conformer au nouveau règlement. Juste pour clarifier la date d'alignement, prévue, c'est le 31 mars 2019. Voilà, mars 2019. Bon, mais maintenant, tout aussi important dans le débat que nous sommes en train de faire, l'instruction qu'a pris M. le gouverneur de la Banque centrale sur ce qu'on appelle l'interopérabilité intégrale. Elle date du 10 août 2018. C'est une instruction. Cette instruction donc, va amener tous les opérateurs qui font dans le paiement et l'intermédiation financière à interopérer. Ceci vise à développer un tissu de paiement un peu plus élaboré, un peu plus traçable et convergent, plus de visibilité dans tout l'espace seulement. Ça veut dire quoi ? Au-delà de maintenant l'interopérabilité carte que faisait le GIMAC jusqu'à aujourd'hui, on va y ajouter donc l'interopérabilité des mobile money, des paiements mobiles, pour ne pas être limitatif, et on va y même associer des transferts d'argent. Et d'ailleurs, nous avons commencé la phase pilote et travaillé là-dessus avec tous les opérateurs, y compris MTN, Cameroun, sur cette interopérabilité depuis le mois d'octobre. Et nous pouvons même vous dire qu'en ce moment, nous sommes, pour certains, en pré-production avec les banques. On va faire interopérer les mobiles, les mobile banking, les sociétés de transfert d'argent, etc., etc. Tous ceux qui sont susceptibles de faire des paiements ou des transactions électroniques avec un seul objectif, lutter contre le cash qui est notre ennemi commun par rapport à l'agilité nécessaire dans les entreprises. Merci. Merci à tous. Et je ne vais pas finir sans dire une fois de plus merci aux représentants de l'UTE à l'Afrique centrale et à Madagascar, M. Jean-Jacques Massina. Merci de n'avoir pas hésité un seul instant à accepter l'invitation. Merci également à Étienne qui a envoyé la personne autorisée pour parler de monnaie électronique, le directeur de Étienne. Merci Monsieur Alain Renaud. Merci directeur général du GIMAC. Vous avez toujours été à nos côtés, vous avez toujours marqué votre
accord à toutes vos sollicitations. Merci encore pour cette, ce partage d'expérience-là. Et merci à Patrick Pignier. Bonne chance à votre produit, pour étudier et pour réaliser lui-même. Je vais finir par inviter le public à être également présent ici demain pour une autre conférence sur les différentes possibilités qui sont offertes aux jeunes entrepreneurs cette fois-ci pour pouvoir développer leur entreprise, commencer à partir de 10h demain, pas à 16h comme aujourd'hui. Merci encore, merci à tous.